J'ai des bras de crevette. J'ai pas des bras de crevette. Non mais c'est horrible. Tout ce travail pour rien quoi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog et j'espère vraiment qu'il va vous plaire parce que c'est un vlog. Je savais pas trop si j'allais le laisser ici ou le mettre sur l'autre chaîne. J'avais envie de faire un truc différent pour Halloween. Bon, depuis que je me suis lancée vraiment à 100% dans tout ce qui était paranormal et tous les sujets qui l'entourent sur ma chaîne principale, j'avais vraiment envie cette année de faire quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis des années, à savoir vraiment me faire un vrai costume pour Halloween. Un truc de fou. Et ce qui m'a donné surtout envie de faire ça, c'est que mon agence organise une soirée pour Halloween. Une soirée thématisée où tout le monde doit vraiment venir costume. Et donc je me suis dit, Marie, si tu le fais, fais-le vraiment à fond, à 100%, et fais-toi faire un costume sur mesure. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de faire un live, et vous avez dû voir ça dans un vlog déjà, avec toute une équipe autour de World of Warcraft, et c'est là que j'ai rencontré Cinéris. Cinéris, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une cosplayeuse qui a déjà gagné la BlizzCon et qui a gagné d'autres grands concours et pas mal de prix parce qu'elle a un talent incroyable pour le cosplay. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le cosplay, qu'est-ce que c'est? Alors le cosplay, c'est le fait d'incarner un personnage de la pop culture. Sa spécialité à elle, c'est principalement de savoir faire des armures sur mesure. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder un petit peu ce qu'elle fait, quelles sont ses inspirations, comment elle travaille. Elle fait un taf de malade. Et reconnaissant son talent, je lui ai demandé si elle était d'accord de me confectionner un costume sur mesure pour ma soirée d'Halloween et que j'en profite bien évidemment pour immortaliser le moment. Alors, si vous regardez ce vlog, peut-être que vous avez déjà vu le look final sur Instagram si j'ai pas su me retenir. Sinon, franchement, je suis très forte, je sais pas comment j'ai fait. Mais en gros, j'ai passé toute une journée avec elle dans son atelier où elle a pris des mesures, où elle explique exactement, parfaitement comment est-ce qu'elle a fait le costume sur moi. À l'heure à laquelle je filme cette intro, on est à J-2 avant la soirée. On se retrouve avec elle dans 2 jours pour qu'elle me costume, pour qu'on fasse les derniers détails avant la soirée de faire le shooting, donc j'ai vachement hâte. Mais avant de vous montrer le résultat final, je vous invite tout simplement à découvrir tout le processus de création de ce costume. Et s'il y a bien un costume que je rêvais de faire depuis très longtemps, c'est celui de Bellatrix Lestrange. Lilith, en fait, c'est toi la star, c'est pas ta mère. Ouais. Elle me regarde avec ses grands yeux, genre... Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? C'est quoi le truc au-dessus de sa caméra? Oh, mais c'est... Donc, alors, pour la partie corset, en fait, donc tu vas porter un véritable corset par-dessus, enfin, en dessous, on va dire ça comme ça, et moi, je vais te faire un sur-corset. Pour les manches, bah, l'avantage que tu sois là, en fait, c'est que je vais pouvoir directement, en fait, mesurer le tissu sur toi, calculer l'angle de l'ouverture, le placement des ficelles, et moi, ce que je m'occuperai, bah, après ton départ, ce sera tout ce qui est la peinture des tissus, pour tous les petits motifs argentés que tu retrouves dessus. Ah ouais. Et donc après, sur toi, il y aura tout le travail, on va dire, de paternage, patronage, par exemple, de la jupe. En général, je te conseille de commencer par celui du bas. Ok. Voilà. Ah oui. On le tire un peu et moi, je m'occupe du corset. En gros, voilà, c'est tu mets quelques points du haut et ensuite, pouf, tu remets ah ouais. Les points du bas. Et, ah oui, mais c'est bon, c'est ma taille, en fait. J'étais en train de paniquer en mode... Mais non, t'es un petit small. C'est mieux, tu vas voir. Ok, donc là je suis shapée. Attends, attends, t'es sérieuse? Tu vas faire quoi là? Tu vas me serrer la... T'as
T'avais respiré avant? Ouais, j'avais respiré, ouais. Alors, faut que ça reste confortable, tu vois, là, je te l'ai pas fermé, donc t'as une petite chape, sachant que là, tu t'attaques quand même un vêtement épais en dessous, mais celui-là, est-ce que c'est, je peux m'asseoir, c'est pas un avec vrai corset. Bien sûr, tu peux t'asseoir, tu peux essayer. Ah oui, c'est bon. Là, c'est pas... En gros, si tu regardes derrière, tu vois qu'il est pas... Oui, ça passe. Pas mis bout à bout. Ouais, tu me l'as pas... tu me l'as pas... Il y a encore 5 cm que je peux te compresser. Je vais mourir. Je suis en mesure, je vais vraiment me saucissonner. Regardez. Mais non. Mais enfin. Attends, mais je fais quoi? Je lève les bras? Vas-y. De toute façon, après, c'est le scotch qui va. Tiens-le-moi. Hop là. Voilà, ça tombe comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, mais tu vas voir. Ah ouais, le concept. Pour l'instant, j'ai du mal à comprendre à quoi ça va servir. Hein. Donc, en gros, ça, c'est des scotchs de masquage sur lesquels on peut dessiner directement au marqueur. Et moi, je vais pouvoir dessiner justement toute la forme, vu qu'elle a en fait une sorte de corset recousu. Ah ouais. Donc, en fait, ça te sert vraiment de... Ah, tu vas dessiner sur moi, et après, comment tu vas couper derrière pour pouvoir... Juste... Ah Et donc, après, l'avantage, c'est que sur ces pièces-là, vous pouvez directement découper et les mettre à plat, en fait. Vous avez déjà les bases pour la tension. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, là, pouf, après, t'as plus qu'à mettre à plat. Tu vois, il y a juste à raplatir et je découpe ça. Ah, et, c'est génial. Voilà. La technique est... Ouh, créer tu des vois, petits patrons sur mesure. Mais c'est hyper intéressant, je savais pas du tout qu'on faisait comme ça. Alors, bon, c'est prenez, une technique, toujours, c'est une prenez technique. Toujours des repères, c'est-à-dire que 3, 4, allez... 5, 6, 7, et donc par exemple, là tu vois je fais une connexion entre 7 et 2, et donc là je peux marquer que ce sera 7 qui se connectera, et ici c'est 2. D'accord. Voilà. Ah ouais, pour avoir du coup ce corset-là, c'est trop cool. Donc là l'étape suivante c'est qu'on va continuer les patrons, parce que voilà, je profite que Marie soit là pour faire les patrons, et donc en gros, pour donc Bellatrix... Ce que je recommande surtout, si vous débutez le cosplay ou même quand vous êtes des cosplayers très expérimentés, franchement, si vous avez ce genre de petites choses qui sont accessibles pour quelques euros dans le commerce, vous ne vous embêtez pas à les crafter vous-même. Mm-hmm. Dire que moi, globalement, sur ce type de produit qui est déjà détaillé, la seule chose que je vais aller faire, c'est à la rigueur peut-être repeindre un peu. Cela, je trouve que, tu vois, c'est pas assez marqué au niveau de la transition entre les deux parties de la baguette. Donc, je dirais peut-être un petit peu retravailler la peinture, mais sinon, on est déjà sur quelque chose, tu sais, ça fait la bonne taille, c'est joli, c'est agréable. Voilà, vous embêtez pas. Existent, si vous voulez commencer, ce que je vous conseille, c'est justement, pourquoi pas acheter, comme ça vous êtes sûr d'avoir déjà des tissus, ou surtout s'il y a des motifs dessus qui peuvent être intéressants, vous aurez déjà en fait votre base, et pourquoi pas juste customiser pour un petit peu refaire quelques points de couture pour l'ajuster à votre taille, ou refaire quelques petits accessoires, changer pour parfois quelques petites pièces pour des plus beaux tissus, mais du coup, comme vous avez déjà la pièce de base, vous avez déjà les patrons. Vu que vous pouvez récupérer ce que vous avez dans ce que vous avez acheté. Si vous ne sentez pas de styliser une perruque, maintenant vous allez pouvoir trouver des perruques pour quasiment tous les personnages qui existent dans la pop culture. Donc vraiment, laissez-vous tenter, si je puis dire. Voilà. Donc pour Bellatrix, globalement, je suis partie sur ce tissu-là. Donc en gros, c'est des tissus de type lin. Pour la simple et bonne raison, et que vous le voyez déjà à la découpe, c'est que c'est un tissu qui va s'effilocher, en fait, énormément. Et donc on pourra avoir l'effet un petit peu destroy, si je puis dire,
du bas sur la jupe. Donc ça, en gros, je vais aller le racler avec des brosses. C'est des tissus qui se peignent très très bien. Donc vous allez pouvoir, avec ce type de peinture, donc des peintures pour tissus, peindre directement vos motifs. Donc surtout, n'oubliez pas de les chauffer après si vous voulez laver vos tissus. Pour ce qui est du reste, globalement, le costume de Bellatrix, on a besoin beaucoup de ses ficelles, vu qu'il y en a absolument partout sur sa tenue, donc à savoir surtout le tressage des manches, sur la jonction des manches jusqu'au haut. On en a aussi sur le corset en lassage, donc là je suis allée chercher la grosse bobine. Pour ce que j'ai pu trouver, donc directement en achat, donc pour son collier, on trouve très facilement... ce genre de petits bijoux, pareil, pour quelques euros sur Amazon. Alors, la chaîne est très moche, mais on a déjà notre ficelle, donc on va pouvoir remplacer justement le cordon du collier. Vous pouvez très facilement trouver, donc j'en ai pris plein, parce que je crois qu'elle a au moins 3 ou 4 bagues. Ouais. Donc voilà, j'ai pris ce type de bague un petit peu gothique. On va remettre une petite ref de la jupe en entière. Ok. Donc là, il faut que j'enlève le corset, du coup, pour que tu puisses... Non, franchement, il n'y a pas besoin... Donc, en gros, la jupe, t'as vu, elle est un petit peu froncée. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est le fronçage? C'est ces petits plis que je viendrai faire après et sur lesquels je viendrai coudre pour que ça garde, justement, un peu de volume. Donc, c'est pour ça que lorsque vous achetez un tissu, il ne faut pas acheter tout pile votre tour de taille. Donc, est-ce que j'ai bien maxé sur toi? Parce que je me suis dit, tu dois à peine faire 1,90. Oh ouais, c'est ça, t'es dans les 90, tu vois, et en poitrine, toi, 93. Voilà, il n'y aura pas besoin de marquer, tu sais, beaucoup de points. Ouais. Tu vois, et donc en gros, avec la couture après... Ah ouais. Donc théoriquement, moi je sais déjà qu'en fronçage, il faut faire juste x2. Donc tu vois, là je sais que t'es déjà à 90, en plus tu fais la même taille que moi, donc vraiment c'est parfait, tu vois, genre, donc, je vais pouvoir tout paterner. Donc en gros, là c'est plus... Là, toi, pour te donner une idée de ce à quoi ça va ressembler, ouais. Hop, voilà. Oh, la tête. Ouais, je suis pas très grande, moi. 1m65. Un peu de... Ah ouais, comme ça, parce qu'il y a un peu de jeu aussi, tu vois. Un peu, tu vois, t'as un peu de volume sur la robe, du fait de froncer un peu. Et c'est cool. Est-ce que je le tente, genre je flex? Tu vois, genre je prends juste 2 mesures, je fais la découpe et on ajuste à la fin. Parce qu'en gros, moi, je pense que ça va être beaucoup, tu sais, de ramener tout le pan de tissu. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y, allez. Le plus simple, si vous voulez paterner une manche chez vous, en fait, c'est de prendre tout simplement un de vos propres t-shirts qui a déjà à peu près la forme que vous voulez et vous le tracez sur votre tissu. Ouais. À la rigueur, vous en laissez un peu plus et vous redécoupez au fur et à mesure, mais là, en gros, j'ai les mains froides. T'inquiète. Alors, globalement, ouais, elles startent un peu plus bas que le haut du bras et vont jusqu'au... sous la manche, donc je pense qu'on va au moins partir sur 60 cm. Donc faut savoir que faut quand même faire petite couture sur le haut, donc on va quand même faire un petit tourlet, ce genre de choses, donc pour cliner comme les bordures. C'est propre, donc pour moi on est sur 60 et puis je vais prendre la mesure de ton bras et puis on va rajouter du flouf. Donc au plus large, et tu vois, on rajoute au moins ça, tu vois, pour qu'elle ait un peu de... Oh, tu sais, je t'ai dit, j'ai pris 7 cm de tour de bras, mais genre t'as des bras de crevettes, du coup, à côté des miens. J'ai des bras de crevettes. J'ai pas des bras de crevettes. Ça va. T'as ouais, des mais bras moi aussi, regarde. Elle peut flexer avec moi, là. Mais ça, moi, c'est bon, j'ai du muscle. J'avoue, hein. Non, on dirait pas, mais... Hein. Ah. Putain, moi aussi, je sais faire des pompes. Prenez le temps, moi, de tracer à la craie sur le tissu. Elle fait ça en mode YOLO. Eh, n'empêche, hein, je suis ça à Ça marche, 40. Hein. Ouais, je me suis dit 40, comme ça, je suis large. Voilà, moi, je flexe pas comme dans les magasins de tissu. Vous savez, où ils déchirent le truc comme ça, là, que c'est tout propre. Ouais. Ça, il y en aura des centaines sur le costume et en plus de ça, ils n'ont pas tous en fait la même intensité d'argent.
Donc en gros, vous allez en avoir des qui ont le tracé très fort, là, un petit peu comme ça. Et d'autres qu'il va falloir faire justement un peu plus en brossage, donc juste suggérer. C'est cool. Ça c'est full soirée détente. T'aimes bien ça ou pas? Bah franchement ça c'est super bien parce que tu te mets une petite série, un podcast en fond et tu t'éclates quoi. Donc l'avantage c'est que comme il y en a des forts, bah en fait pour ceux qui vont être juste suggérés, voilà, tu vois, j'ai étalé le gros de ma peinture sur celui-là et avec le reste je fais juste un petit brossage et là on peut continuer un petit peu plus le motif comme ça. Est-ce que tu veux t'amuser? Voilà. On voit quand même que j'ai pas encore le coup de main. Tu vois le pas assuré de tes motifs à toi. Et moi qui suis plus en mode, alors attends, est-ce que j'en ai mis assez? On dirait plus des E. Des E pas finis, genre toi c'est des 6, des 9. C'est joli. C'est pas mal. Donc ceci est un décapeur thermique, ça D'accord. chauffe à 480 degrés en moyenne. Super. Ceci est un joli petit fer à souder, je pense qu'il fait à peu près les mêmes températures. Donc voilà, à quoi ressemble de la mousse évasote. Voilà, okay. C'est comme les tapis de sol ouais. de yoga, mais pareil, ouais. un peu plus haute densité quand même. Donc, en gros, ça, c'est ce qui va nous servir à faire le corset. D'accord. Donc, l'avantage de cette matière, c'est que vous allez voir, je vais pouvoir le chauffer, le texturer, et donc on va donner un aspect cuir à cette chose. Ça, c'est génial. Ouais. Donc, ça prend très bien les pressions de la colle. Et sur ce genre de petites choses, vous allez venir presser des surfaces comme ça. Assez de façon irrégulière. Vous pouvez y aller, que ce soit ensuite avec des découpes de type scalpel pour faire des petites balafres, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Donc là. Mon rêve ! Oh là là ! Donc là, vous pouvez aller donner des petits aspects vraiment bien texturés. Là, avec celui-là, je vais venir travailler les bords, ou là, il y aura les sortes de coutures sous le corset, mais. Voilà, donc à la fin, vous pouvez avoir une surface bien, bien destroy. Donc surtout, protégez-vous lorsque vous faites ce genre de choses. Vous portez un masque, des gants si vous le jugez nécessaire. Et voilà, donc vous pouvez vous amuser. Donc là, je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est un petit peu le concept qu'on aura sur le corset. D'avoir, voilà, vous pouvez vous amuser à rouler votre petit fer. Et donc ça, à la fin, bah, en gros, vous faites... je vais appliquer dessus une sous-couche flexible, donc avec, composée de latex. Et ensuite avec une peinture qui elle aussi avec un peu de latex pour que ce soit souple, ah ouais. on aura un effet vraiment au cuir à la fin quoi. Putain mais c'est génial. Voilà. Je me suis subjuguée. Thank you.
le make-up, on va faire un vrai make-up à la Bellatrix Lestrange. Je suis avec Nyx qui va donc changer mon visage. J'espère que ça va être ressemblant. Tout le reste va être hyper ressemblant. Il faut absolument que ça soit genre horrible en fait. Il faut que ça soit horrible, il faut que ça fasse peur. C'est parfait. L'avantage, tu vois, c'est qu'en plus, les nœuds, j'ai regardé sur les références, ouais. Ils sont vraiment faits, c'est pour qu'il y ait un aspect décousu, donc ils dépassent, tu vois. Genre, oh, putain. Là, tu vois, il y a un petit bout qui va dépasser comme ouais. Ça, et il va venir chatouiller, mais elle est comme ça, en vrai. Alors, du coup, c'est attaché 1 sur 2. Pouf. Ouais, parce que tu poses tous les rivets, mais il n'y en a qu'un sur deux qui serre. Oh putain. Je suis cosplayeuse, hein. Je suis allée vraiment regarder au millimètre près comment ça se passait. Putain, mais c'est horrible. Tout ce travail pour rien, quoi. Sur le costume, je pense que je vais les passer. Voilà, le look de Bellatrix Lestrange est enfin terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le look juste incroyable. J'espère que ça vous plaît. Bravo encore à Sonia qui a fait un boulot de ouf. Je vous laisse maintenant avec les quelques photos qu'on a pu prendre, mais vraiment je trouve ça incroyable. J'espère que ce vlog un peu spécial vous a plu. Je vous mets tous les liens intéressants dans la barre d'infos et notamment les réseaux de Sonia. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et surtout, joyeux Halloween.